Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 162 de Stage 1. Et cette fois, on continue Left 4 Dead. Et donc, on va jouer du coup à Left 4 Dead 2. Parce que moi, il n'y en a pas 50, hein, il y en a 2. Donc voilà, peut-être qu'un troisième un jour, ça serait plutôt pas mal. Mais ça m'étonnerait quand même. Donc, je vous laisse la vidéo d'introduction pour commencer. Signalez tout acte anormal. Barricadez-vous. Évitez tout contact avec les infectés. Attendez les instructions. Mon cul, oui. Butez tous ces fils de pute. C'est ça, mes instructions. On a été se foutre dans une sacrée merde. Reculez, Qui a foutu un point d'évacuation en haut d'un immeuble de 30 étages? Dinner, coach. Pense à l'hélicoptère. Imagine qu'il est en chocolat. Hey, ils sont passés où? Oh non, c'est pas vrai. Y'a quelqu'un? C'est pas vrai. Dites-moi que je rêve. Je croyais qu'ils étaient censés sauver notre peau. Faut croire qu'il y a eu un changement de plan. Arrêtez le bombardement! Nom de Dieu! Allez, bon! Chiate! Il m'a eu! Oh putain de merde! Hé! Hey. Butez tous ces fils de pute, c'est ça? J'ai pas fait tout ce chemin pour crever maintenant. Et donc nous revoici après l'introduction, donc le chargement qu'on ne voit pas tellement. Bizarrement, bon c'est pas grave. Alors, Left 4 Dead 2, c'est parti. Alors, on va regarder tout de suite. Je vérifie que j'ai bien ma config, c'est bon. Donc on va jouer réalisme campagne. Je sais pas si j'ai jamais joué. Donc partie sûrement rapide. Ah non, c'est sur internet. Donc non, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux faire. Je veux jouer en mode solo comme je fais d'habitude. Voilà, solo, ça doit être ça. Et solo, voilà, on choisit facile, puis c'est tout, hein. Ouais, ça devrait être magnifique. Donc c'est parti, on commence, et on va jouer. Donc bon, il n'y a pas tellement grand chose de différent, hein, survival horror de... C'est un jeu survival horror, comme le Left 4 Dead 1. Bon, j'ai pas trouvé tellement de différence. Moi, c'est vrai qu'au niveau graphisme, c'est peut-être un peu plus poussé, je sais pas. Franchement, la différence m'a pas sauté aux yeux. Donc, allez, ça charge. Youhou ! Ah, c'est toujours un petit peu long. Allez. Ça y est, c'est fini. Hey ! Revenez ! Revenez ! Eh merde, ils reviennent pas ! L'hélico se dirige vers le... Allez, c'est parti, c'est à nous de jouer. Alors, on va prendre... comment je prends, voilà. L'habitude de tirer. Non, en fait, faut appuyer sur E. On s'équipe. Hop. Bon, je me suis trouvé deux flingues pour commencer. Allez, on avance. Tête la première. Allez. Hop, du zombie, ça commence. Allez.
Bon, comme on s'est mis en mode facile, il devrait mourir voilà assez rapidement, comme prévu. Bon, ils prennent pas 3 ans, moi. Bon. je viens de passer à côté d'un zombie, mais... voilà. Ah bah d'ailleurs, hop, il est là, il m'attaque. Mais il n'y a plus personne. Alors... Bon, c'est toujours le même principe, on est toujours bien dans la merde. Et on doit toujours bien se barrer, dégommer tout ce qu'on croise, et on va en croiser un paquet. Des zombies, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Putain, j'arrive, j'hallucine. Voilà. Alors on n'hésite pas de mettre un petit coup dans la tronche pour le faire reculer quand on est en train de recharger, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Bon, allez, on avance par les balcons, ça nous évitera de passer par les portes. Les portes du couloir. Voilà. Allez, crève. Hop, on recharge. Oula, il y en a un ici. Bon, faut essayer de les voir. Bah, ils sont toujours un peu fourbes, ils sont toujours un peu cachés. Je suis sûr qu'il y en a un à l'intérieur là. On récupère ici. Si je passe à côté de la porte. Là. Ah bah voilà. Comme par hasard, il y en a toujours un qui vient pas forcément au début, mais dès que vous passez à côté, bah, il va vous voir et hop, il va vous suivre alors que vous l'avez pas vu, il est dans votre dos et donc du coup. Il vous fait du mal, une batte de baise. Ouais, non, c'est nul. Je préfère garder mes deux armes. Ouais, du coup, j'en ai plus qu'une. Ouais, bon, bah, on va y aller avec une arme. Tant pis. Allez. Désolé, mais moi, je passe pas par là. Ouais. Ah, on passe par ici, du coup, si on peut pas passer par là-bas. Ouais, c'est bien, il tombe facilement. Ah bah tiens, il y a un gros boomer là. Je sais pas, oui, ça doit s'appeler boomer. Une grosse bestiole. Ah non, lui, non. Il y en a des méchants qui sautent là, qui font très mal. C'était pas une Witcher, mais font très mal. Tiens, je crois bien que j'ai tué un décontaminateur. Un mec qui était en blouson là. Voilà. Il y en a encore un là. Ouh, il y en a encore une ici derrière. Ouais. Ah bah toujours la manie de dire recharge. À chaque fois qu'il recharge du coup. Recharge. Ouais, recharge. Pas de problème. On s'en branle tous. Il y en a une là. Allez, crève. C'est bon. Hop là. Oh. C'est chiant quand on doit recharger quand on doit recharger alors que vous étiez en plein face aux ennemis et ils sont tous en train de vous arriver dessus et vous devez recharger. Ouh, c'est un peu chiant. Ah, il y a des trucs qui volent. Oh putain, boomer. Hop là, je viens de toucher deux collègues. Je sais pas pourquoi ils sont orange. Ah oui, le truc spécial que j'ai remarqué, c'est je l'avais pas signalé. Mais quand vous explosez un boomer, là, les gros, il y a tout le temps plein de zombies qui viennent. Là, j'ai balancé un truc, mais je crois bien que je l'ai balancé un peu loin. Il y a toujours plein de zombies, voilà, une grosse vague de zombies juste derrière, en général. Hop là. Recharge. Bon, on va descendre. Est-ce que j'ai pas... Voilà, les cachets. Bon, c'est bien, on a des petites indications quand même sur les côtés pour nous dire ah tiens, t'as pas récupéré un truc là à côté. Donc on peut pas descendre par là. Ah là là, foireux. Ah, c'est ceux-là qui font très mal, ils vous sautent dessus en un coup. Vous êtes au sol, c'est terminé. Ah, il y a ceux-là aussi, ceux qui vous laissent des trucs tout pourris par terre là, qui vous font crever à mort dès que vous marchez dessus. Ah là. Un peu poisseux, un peu empoisonné. La porte piégée. Ah, il fallait le savoir, ça va. Vous ouvrez la porte, c'est un piège et des flammes, du coup vous êtes bien niqué. Défibrillateur, non, je préfère la mallette de soins. Défibrillateur, c'est quand vous mourrez en fait, ça vous permet de vous réanimer. Oh, un magnum. Est-ce qu'un magnum c'est mieux que mon pistolet de tout à l'heure? Ça tire moins vite. Ouais. Mais je crois bien que j'ai pas autant de munitions. Je vais me retrouver à sec de munitions. Ah non, c'est bon, j'en ai encore.
Je vous demande pas la lune. Mais il y a un mec 7 à la fois. Ouais, c'est vrai que ça tue assez rapidement, mais peut-être pas mon délire quand même. Je vais peut-être rester sur mon petit pistolet là qui allait très bien en fait. Hop. Ouais non. Je crois bien que. Voilà, mon petit pistolet. C'est un peu moins gros que le Magnum, mais je trouve que ça tire mieux et puis bon, voilà, j'aime mieux. Comme ça, allez, hop là, on peut tirer plus facilement. Et il meurt aussi vite. Donc ça me dérange pas plus que ça. Oh putain, un gros balourd. Oulala, oulala. Oulala, lui il fait mal. Voilà. Moi j'ai touché un peu des flammes en reculant. Mais c'est pas grave, je suis pas mort. Ma vie, elle va bien. Ma vie est en bas à droite. Hein. Comme vous l'auriez pas vu. Ah. Une grosse vague. Bah apparemment, c'est dès qu'on tue n'importe quel gros, ça fait une vague. On se demande où c'est qui sort quand même tout cela. Voilà. Il y en a encore. Putain, ça arrive de partout les côtés. Voilà. Oui, bah je m'attarde un peu sur l'interface parce que là c'est vrai que j'y joue, je joue mais sans vraiment expliquer. Oui, bah l'interface, vous avez tout de suite vu qu'elle était simple. Mes munitions là à droite, milieu droite, avec les icônes de la mallette de soins, des comprimés. J'ai un projectile à lancer. Il y a la vie de mes coéquipiers, avec mes coéquipiers tout court en fait, en bas à gauche. Voilà, donc là je vais être obligé d'attendre que le nuage s'efface. Avant d'avancer. Et puis ma vie en bas à droite, voilà. Je sais si mes coéquipiers ils ont des petites mallettes, ils ont des comprimés. Ils peuvent me guérir, me réanimer quand je meurs. Quand je prends trop de dégâts. Donc voilà, on continue. Alors là, bon, on attend qu'ils se fassent dégommer un peu tous. Il y en arrive un peu tous les côtés, mais là c'est bon. Il ne devrait plus y en avoir trop. On va peut-être voir qu'est-ce que c'est que ça. De l'adrénaline. Ça permet de réagir. Ouais, je mets un peu du temps, je réfléchis à plein de trucs en même temps. Ouais, j'ai dégommé un peu du zombie. Voilà, est-ce qu'il y a des trucs là-bas? Des cachets. Les comprimés, mais je connais les comprimés, j'en ai déjà. Hop là, est-ce qu'on peut pas aller plus loin là-bas? Bon, ça veut rien dire plus loin. On va aller dans la pièce là, c'est quoi ça? C'est une sorte d'ascenseur, oui. Ouais, voilà, bah, je vais aller dans l'ascenseur du coup. Voilà, on va attendre qu'ils viennent. Et on ferme. C'est un vrai cauchemar. Une sorte d'apocalypse aux zombies et tout et tout. Ah, il y en a un avec une hache, l'autre avec deux pistolets, un pistolet et moi avec pistolet. Pour l'instant, on n'est pas tellement bien équipé, mais on se démerde quand même. Ellis, je m'appelle Ellis. Ouais, je m'appelle Rochelle, je m'appelle Elise. Oh, bah, j'avais vu. Hein. Oui, il y a de la fumée là. Il y a beaucoup de fumée, je trouve. Attention. Ouh, la lumière s'est éteinte. Je le sens pas. On va galérer. Attention. Les voilà. Donc là, il va y avoir du zombie. Où c'est qu'ils sont? Ah, j'ai trouvé une mitraillette, magnifique. Par contre, je vois absolument pas sur quoi je tire, mais je vois qu'il y a des formes au fond. Donc j'imagine que c'est des zombies. Voilà. Ouais. Adrénaline encore par terre. Hop. Allez. Mourez. Donc il y a plein de trucs qu'on récupère en même temps, mais on voit rien. Alors il y a quand il rentre qu'on arrive à voir quand même un peu plus clairement. Ouais non mais en fait non. Elle est où ma mitraillette? Voilà. Je suis en train de dire j'ai troqué ma mitraillette contre des pistolets, ça allait pas le faire. J'aimais ma petite mitraillette, en plus il y a plein de balles. Hop. Allez. On s'arrête et ça va, il n'arrive pas en masse comme tout à l'heure quoi. On va éviter de marcher dans l'acide.
en tuant les mecs. Allez. D'accord, ok, je vais me faire attaquer. Voilà, c'est bon. On m'a sauvé. Donc comme je disais, voilà, on se fait facilement sauver par ses amis. Voilà. Alors c'est chiant parce qu'on voit pas, on voit absolument rien. Bah, c'est dommage parce que du coup, ouais, voilà. Bon, c'est le fait qu'on les voit au dernier moment, donc bon, c'est un peu marrant. Mais c'est dommage quand même parce qu'on voit vraiment rien du tout. Alors j'avance, mais franchement, c'est hardcore. Il y a tout qui crame. Voilà, ah ça y est, on revoit un peu. On va peut-être sortir de ce truc là où ça crame. Voilà, ça commence à, on commence à voir mieux déjà. Ah putain, de la cible de partout. Ah fort. Voilà, l'acide il est parti, on peut y retourner. Donc là il y a beaucoup moins de nuages, beaucoup moins de fumée. Je suis un peu en mode perdu là. Voilà. Entrer dans l'abri. Ah voilà, de la même manière. Hop là, on avait vu la même chose. Moi je suis peut-être pas les enfermer dehors. Voilà, terminé. On est en sécurité pour l'instant. On a eu, c'est des sortes de mini étapes comme ça avec des abris. On avait vu ça sur Left 4 Dead 1, c'était un peu là, c'était le même sorte. Il y avait un abri avec une porte pareille. Voilà, chargement et on va pouvoir continuer à jouer. Et je pense qu'il doit, pas pouvoir charger tellement que là il y a de la map. Il va falloir quand même décharger de temps en temps et en charger une nouvelle. Donc voilà, c'est à moi de jouer. Alors. Hop, on récupère un maximum de munitions. Voilà, de toute façon, je suis plein à fond. Voilà. Je peux pas retourner là parce qu'il y a des canapés. On ressort par ici, on est dehors. Et c'est parti. Et ce que je vais faire, je vais laisser 5 minutes de jeu. Ouais, pendant 5 minutes à peu près, je vais remettre le son. Et je vais plus parler. C'est ce que je pensais, je me suis dit en fait que je parlais beaucoup trop dans mes vidéos. Et que du coup, vous en profitiez pas du tout par rapport au jeu, vous entendiez moins le son du jeu, moins l'ambiance, comment ça fait. Donc ce que je verrai maintenant dans mes vidéos, c'est que je vais laisser au moins 5 minutes. Alors sur les gros jeux évidemment, sur les petits jeux je le ferai peut-être pas tout le temps, parce que les petits jeux qui font 11 minutes ça sert à rien. Mais sur les gros jeux, je vais vous laisser 5 minutes de jeu sans commentaire. Alors je vais le faire, je suis pas fainéant, hein. Et voilà, je pense que c'est mieux pour vous. Donc je vous laisse le son. Dès que j'ai dégommé celui-là, là, le gros balourd. Voilà. Allez. Hey, par là. Rochard. Magnez-vous. Recharge. 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 Des armes, par ici. Je recharge. Je recharge. Oh merde. Tu sais sur qui tu tires là. Rochard. 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 T'es toute malade. Je recharge. Je recharge.
Surcharge ! Me soigne. C'est mieux. En bas. Recharge. On doit pas être loin. Recharge. Toutes ces tenues n'arrêtent pas les morsures. Tu m'as tiré dessus. Recharge. Et me revoici, me revoilà. Donc là, oui, j'ai compté, ça fait à peu près 5 minutes. Allez, on continue à jouer ensemble. Enfin, surtout moi qui joue tout seul. Enfin, la lance-grenade, je vais pas le prendre, je vais garder ma mitraillette. Je l'aime bien, ma mitraillette. Ah, franchement, je suis refait, quoi. Hop là. J'ai des munitions, bon, ça va pour l'instant. Ça commence à quand même à bien s'user. Bon, allez. Je recharge. Hop là, je regarde s'il n'y avait pas une meilleure arme. Je sais pas quelle est la meilleure arme de ce jeu. J'imagine qu'elle est bien. J'espère. Une grosse arme qui déglingue tout là. Je sais pas si ça existe le lance-flamme. Mais soit, bah, je pense que ça va exister. Comment je passe par là au-dessus par contre? Comment j'y vais? Je ne sais pas. Ah bah là, en fait, tout simplement il y a une échelle. Allez, on va les dégommer avant d'y aller. Allez, de toute façon c'est eux qui vont me foncer dessus. Ils vont pas hésiter un instant. Voilà. Allez. Un katana. Oui, j'étais en train de me dire. Katana. Un katana. Ouais, non. Je vais rester avec ma grosse arme. J'ai pris le katana, mais bon. Bon, je sais pas si ça va bien me servir. Un peu plus fun, mais je reste pour l'instant avec ma mitraillette, même s'il me reste pas tellement de munitions. Ça s'use assez vite quand même. Y a pas des modes un coup sur la mitraillette. Hop là. Allez. On monte. Alors j'imagine que derrière la porte, il y a encore une bestiole. Non. Allez, sors. Oui, allez, meurs. Oh, putain, il veut pas mourir. Il faut lui en mettre des balles à lui. Voilà, terminé. Par contre, je viens de vider toutes mes munitions. Je me retrouve avec un katana tout pourri. Et j'ai rien d'autre. Ça fait chier. Non, j'ai plus mon arme. En plus, je bug avec ma molette. Bon, j'ai mon katana, c'est super. Mais si je veux me battre avec mon katana, je suis pas sûr que ce soit super. Et mon arme de tout à l'heure, ouais bah non, du coup elle est sur le toit du truc, mais je peux plus la récupérer. Bon bah on va y aller un coup de katana. Allez, hop. On va dégommer du zombie au katana, même si ça dégommerait du tout. Voilà.
Super. Super, je peux plus remonter là-haut, c'est génial. C'est vraiment fantastique ça. Mon adrénaline, super. Enfin, l'adrénaline est comprimée, c'est pas l'adrénaline. On va y aller au katana. Hein? Allez, c'est parti. Allez. On est des fous, on rit. De toute façon, j'ai rien d'autre. On va les taper. Hop, découpage des zombies. On fait de la quiche avec, voilà. Putain. Lui, c'était sûr et certain. Il m'a sauté dessus, il m'a mis à terre direct. Ah bah dis donc, des munitions. Oh, une mitraillette. Enfin, une mitraillette. Oui, je sais pas. Je garde ses cachets. Ça y ressemble en tout cas. On va essayer. Sauter sur le camion. Allez. Dégommant du zombie. Ouh, il y en a un paquet en plus là. On va pouvoir bien vider, je vais bien pouvoir vider mes munitions sur eux. Allez, repoussez-les. Bah ouais. Attends, faut que ça recharge, le temps que ça recharge. En plus, je suis tout seul. Non. Ils m'ont aidé, mes collègues, je sais pas. J'ai l'impression. Voilà. Allez. Il y en a vraiment de partout, ces zombies. C'est un truc de fou. Hein. Toute la population y est passée. Hein. Recharge. Ils ont pas fait de cadeau. Allez, il y en a encore une nouvelle vague ici. Ça descend, ça monte. Allez, vas-y. Recharge. Là, il y en a plus, il y en a encore. Ah, lui, il a pas peur, lui, en arrivant d'aussi loin comme ça. Je vais te niquer, je vais te... Non. Je vais te... Il y en a non, juste derrière que... Non, je vais te niquer. Non. Non, non. Je peux pas monter là, donc bah, il va falloir que je passe par en haut. Par les escaliers que j'ai vus ici. Allez. Bouge pas. Ça marchera pas. Guérison. Ah, il a essayé de me guérir, je crois. Bouge pas, voilà. Il a essayé de me guérir. Toujours la même manière de guérir, voilà. J'ai l'impression qu'elle me touche. Allez. Mon arme, du coup. Attention. Mon arme s'était barrée. Non, non. Non, je veux pas ça. Je veux mon arme. Ouais. Ah, j'ai une molette qui me casse les dents. Bon, on va jeter un truc par-dessus, voilà. Et en plus, même pas dégoûté, ça me raterrit dessus, quoi. Je l'ai lancé là-haut, ça rebondit là-haut, c'est revenu ici. N'importe quoi. Oh, un boomer. Ça, il bouge pas vite. Les boomers bougent pas vite. Et comme je disais, à chaque fois qu'il y a un boomer, on a un raz-de-marée. À croire qu'il les appelle, je sais pas. C'est ce qu'il fait. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oula, un truc de cricket, là, je veux pas le prendre. Je préfère ma mitrailleuse. Ah, je l'aime, ma mitrailleuse. Qu'est-ce que je la kiffe. Oh là, ah, la wish. Non. Ah, elle m'a défoncé. Ah, la wish spéciale. Faut pas l'effrayer. Et, moi, j'y tirais dessus comme un idiot. Voilà, c'est reparti. On me re-soigne. Putain, c'est vrai que j'ai pas de vie. Me voilà d'aplomb. Voilà, magnifique. Si on pouvait soigner les gens aussi vite dans la vraie vie, ça serait bien. Recharge. Les zombies isolés. Bombe artisanale, ça pourra toujours me servir. Allez, alors qu'est-ce qu'on a? Closed. Allez, nous non, on ouvre. Vous avez vu toutes ces armes? Oh, une armurerie. Ah, bah si c'est pas beau, ça c'est le paradis des armes, ça. Alors qu'est-ce qu'on a comme arme? Les fusils à pompe, les trucs comme ça. Je regarde celle qui a le plus de munitions dans la réserve. Je cherche tout ce qui peut être mitraillette, quoi. Pour le sniper, je m'en fous un peu. Des flingues. Ouais, je m'en fous un peu, c'est bien ce que je dis. Ouais. J'ai pas de permis de pardon. Oh, ça c'est sympa ça. Ça pose de problème à ça, ça a l'air sympa. Je me suis barricadé sur le toit avec plein de provisions. Dans la rate, j'ai oublié le soda. Alors voici mon enfant. Si vous allez me chercher du soda au magasin d'à côté. Enfin un truc normal. Un type qui veut juste quelque chose à grignoter. Ok, on s'en occupe. Mais c'est donnant, hein. Ah, donc là, le but, c'est d'aller lui chercher du soda. Sauf qu'il nous a dit d'aller au magasin d'en face. Je trouve pas tellement d'issue. Bon, j'ai une visée laser maintenant. Je sais pas si vous avez vu, je l'ai récupéré tout à l'heure. Ça me fait un petit pointeur rouge. Bon, vite fait, quoi. C'est vite fait la visée laser, je vois pas trop à quoi ça sert quand on tire dans du zombie comme pas deux. Sur un sniper ça peut être sympa mais bon, vu le nombre d'ennemis, sniper ça sert à rien. Ah bah la porte là elle est ouverte, donc on monte par là. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire?
Pourquoi il est marqué détruire le camion? Allez. Hop. Et on descend ici. Et hop. Préparez-vous à affronter la horde. Je viens d'ouvrir. Où c'est qu'il y a une horde? Ah, je crois qu'il y a une horde. Ici. Derrière moi, non? Non, il n'y a rien. Récupérer la butte. Ah putain, il faut que je rentre dans le magasin. D'accord. Je peux pas passer par, par le bord, mais bon, faut déjà démonter la horde. Pour entrer, il faut faire sonner l'alarme et l'alarme rappelle tout le monde. Heureusement que j'ai des munitions en rab. Je vais me dégommer. Et ça dégomme plutôt pas mal. Sauf qu'il y en arrive de tous les côtés maintenant. Ah, allez. Oula, je suis un peu malade. Et ça s'arrête jamais. En général, les hordes, les trucs comme ça, ça dure, voilà, mais quelques minutes, après il n'y en a plus. Voilà, ça a l'air de s'être calmé, on va rentrer dedans. Je vais aller récupérer. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'ennemis à l'intérieur, vu que c'était bien fermé. Je vais récupérer le soda. Allons-y. Qui m'empêche d'utiliser mon arme, comme de toute évidence, hein. Je peux pas prendre autre chose. Sauf qu'il y a des zombies. Bon, eh ben c'est reparti. Allez les zombies. Les zombies sont mes amis. J'aime bien leur mettre des balles dans la tête. C'est amical, c'est sympa, franchement, c'est sympa. Sauf que bon là, il me tape un peu, bon ça va, j'ai toujours de la vie. Heureusement que je suis en facile, je vois même le monde en impossible comment ça doit donner, mais... Ça doit être assez épique. Allez la horde. Allez. On dégomme, mais bon, il n'y en a plus. Voilà. Ah si, il y en a encore. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Là, il saute directement depuis le toit là-bas. Moi, je fais ça, je meurs et, à tous les coups. Ah, j'ai plus de. Ah non, j'ai qu'un katana. J'étais en train de me dire pourquoi je fais qu'un katana, mais ouais, en fait, non. J'ai plus que ça. J'ai vidé mes munitions. Voilà, j'espère qu'il y en a. Ah, il y en a encore un. Il y en a encore. Un ici. Deux. Et ça devrait être bon. Je vais récupérer mon soda. On a le soda. Et on va y aller. Allez. Porter le soda, il faut que je le perde là-haut. La porte. Parce que pour l'instant, moi j'ai plus d'armes. Donc j'espère qu'on va pas croiser du zombie. Comme par hasard, il y en a partout. Génial. Ouais, bon bah je vais être obligé d'y aller au katana. Voilà. On déglingue des gens. Je me prends du dégât, mais c'est pas grave. Hein. Je les tue beaucoup moins vite aussi, surtout. C'est un peu plus dur à contrôler le katana. C'est franchement même chiant, j'ai envie de dire. Ah, pas y arriver. Tant que j'arrive à l'ennemi, bah, mes collègues ils l'ont tué. J'ai le soda, tirons-nous. Allez, on remonte là-haut. Je recharge. Il faut qu'on aille là, devant la porte, apporter le soda au mec. Donc on va prendre l'escalier. L'escalier qui était là. Depuis le début. Et il y a des ennemis partout encore. On va quand même l'apporter très vite. Au cas où, apporter. Je mets le soda dedans. Hop là. Est-ce qu'il va nous ouvrir la porte par contre du coup? Ok. Ça a pas l'air d'être mieux ouvert. Je vais aller me récupérer. Non, je commence à en avoir marre de ce katana. Puis je vais descendre en bas. Putain, il est encore plein quoi. Les zombies qui arrivent de tous les côtés. Oh là là. Alors, je me reprends mon arme. Je sais plus où elle était. Non, c'est que des trucs là. Où c'est qu'elle était mon arme de tout à l'heure? C'est pas ça. C'était pas ça. Si, c'est ça. Si, c'est bon, c'est ça. C'est cette arme là. Par contre, lui, il a pas ouvert la porte. Hein. Et donc, du coup, on est bloqué dehors. Et où c'est qu'on doit aller? Je ne sais pas. Mais on va s'arrêter là. Donc, ce sera tout pour Left 4 Dead 2.
Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.